Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on découvre la sixième et dernière cachette d'Archie sur Neomona. Après une brève visite à la tour auprès d'Adawan pour réaliser qu'Archie s'est de nouveau évadé, rendez-vous sur Neomona pour pouvoir visiter Nimbus et ainsi récupérer la suite de la quête. Nimbus nous informe alors que Archie s'est aventuré sur Neomona. Il nous invite à nous rendre directement en dessous de lui, là où il l'aurait aperçu, au spawn, dans la salle où on pouvait jouer sur les bornes d'arcade auparavant. Pour la suite de la quête, il faudra vous rendre dans la zone du confinement du voile, c'est la zone après le complexe d'Irkala qui se trouve tout à l'ouest de Neomona. Pour ma part, j'ai choisi de spawner tout en bas de la zone et de faire le chemin en passereau. Je vous montre le gameplay à l'écran. On continue sur les traces d'Archie qui s'est visiblement égaré jusqu'au refuge de Maya. Vous devrez donc de nouveau vous téléporter en bas de la map et vous rendre à l'endroit où l'on a appris à maîtriser le fil obscur pour la première fois. Il va donc vous falloir cette fois-ci à l'inverse, vous rendre tout au sud-est de la map pour retrouver la zone du refuge de Maya. On continue, rendez-vous dans le secteur oublié, le Stimulodrome, et coup de chance, c'est le secteur oublié légende de la semaine. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le lancer en légende pour retrouver Archie, fort heureusement. Vous retrouverez donc enfin Archie tout à la fin du secteur oublié et vous n'aurez ainsi plus qu'à le délivrer de l'emprise des Vex. Et voilà, la quête d'Archie est enfin terminée. Alors comme beaucoup, vous vous demandez sûrement mais que faire de ces 6 objets? Eh bien sur le papier, si c'est simplement une quête commémorative et annonciatrice de Final Shape, il est indiqué que vous pouvez sereinement les supprimer. Je serai vous, j'attendrai un peu. On a déjà eu quelques mauvaises surprises à ce niveau par le passé, donc mieux vaut être prudent, sait-on jamais. Au pire des cas, vous supprimerez tout cela à la sortie de Final Shape. J'espère que ce tuto vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, geekez bien, et à très bientôt pour d'autres infos. Bye!